tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, ça fait un an que je ne vous ai pas fait de vlog. Depuis le vlog à oreilles que je vous mettrai sur le petit i si vous voulez aller le voir. Voilà, ça m'avait manqué. Et moi, quand je vous fais des vlogs, enfin en tout cas quand je vlog, c'est que pour moi c'est une journée assez intéressante à vloguer. Je vais pas vous vloguer une journée où je reste chez moi, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Donc là, il est actuellement 10h43. Ce matin, donc j'ai sorti mon chat pour la sortie du matin. J'ai fait mon montage de la vidéo revue soin que je vous mettrai là. Voilà, normalement elle sera sortie quand ce vlog sortira. J'ai pris ma douche et j'ai petit déj. Donc voilà pour ce matin. Après, peut-être j'oublie des choses. Oui, je me suis habillée entre temps. Et cet après-midi, enfin en tout cas là, jusqu'à à peu près 1h30, 2h. Je dois donc finir de me préparer, c'est-à-dire m'occuper de mes cheveux, éventuellement un petit peu me maquiller, je sais pas pourquoi, mais là j'ai envie de me faire des lèvres un peu colorées, enfin colorées, on s'entend. Faut que je ressorte mon chien et que je mange, donc voilà pour ce que j'ai à faire. Et actuellement je suis en train de regarder une vidéo de Devovo, donc voilà à peu près ce que je fais. Donc en tout cas j'espère que ce vlog vous plaira. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Donc là, c'est parti. Je vais venir me glisser mes cheveux. Donc, ils sont tout secs. Alors oui, je porte mes lunettes. Je vous en avais parlé dans le tag « Me connaître de A à Z » que je mettrai sur le petit i. Et voilà. Donc, vous voyez avec mes lunettes. Et je pense tout au long de la journée que vous me verrez avec. Donc, voilà. Donc là, je vais les enlever pour me lisser les cheveux. Pour me lisser les cheveux, bah, je vais utiliser mon lisseur. Voilà, c'est un Babyliss. Je vais venir prendre donc mon protecteur de chaleur. Hyper important de se protéger de la chaleur. Si vous lissez, séchez ou bouclez les cheveux, utilisez un protecteur de chaleur. Donc moi, c'est le Expert Protection 230 de chez Prank Provo. Et j'utilise cette petite crème. J'espère bien. Active Liss de chez Biphase. Parce que vu que j'ai les cheveux bien épais, même ma coiffeuse m'a conseillé d'utiliser une crème dans ce style là. Donc voilà, c'est parti, je vais me lisser les cheveux. Et si je regarde par là, c'est qu'en fait tout simplement, hop, on va essayer de ne pas refaire une bêtise, j'ai mon miroir, donc voilà. Donc bah c'est parti. Ça y est, je viens de finir de me glisser mes cheveux. Je trouve une meilleure tête les cheveux lissés. Donc bref, et j'ai appliqué ma petite, enfin mon sérum de la marque Sion pour les cheveux que j'applique généralement assez souvent. Donc voilà, là je vais venir faire une petite coiffure, on va dire. Donc je prends ma petite brosse. Je brosse, j'ai un peu hop mes cheveux. Je vais les mettre en arrière. Hop. Ce premier tuto que je fais, je le fais en vlog. Et je viens le prendre. Hop. Et c'est une coiffure très simple. Alors c'est pas une queue de cheval. Parce que sinon je serais plus rien. Hop. J'essaie de monter plus haut que je peux. Hop. Hop là, voilà.
et je viens attacher tout ça avec un élastique. Hop. Et voilà ma petite pause d'aujourd'hui. Bon, une petite pause, mais c'est pas bien grave. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de coiffure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer pour me maquiller. Et je vous retrouve juste après. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour me maquiller. Donc mon petit beauty blender que j'ai vu dans le concours de ma petite Marion. Niveau pinceau, pinceau poudre, pinceau blush et pinceau pour le teint. Donc Real Techniques, Kiko et Kiko. pour les lèvres, ça sera un rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 03. Pour le blush, je vais utiliser celle qui a dans cette petite palette, le Love Story qui est juste ici. Voilà. Hop. En base de teint, je vais utiliser celle-ci de chez Essence que j'adore. Ensuite, en poudre, je vais utiliser celle-ci, donc c'est la Invisible Touch de chez Kiko. Anti-cerne, le Camouflage Full Concealer de chez Essence. La BB Crème de chez Kiko. D'ailleurs, faut que je me rachète de la BB Crème parce que j'en ai pratiquement plus. Et Eyeliner de chez Kiko. Donc, voilà. Donc, je vais me maquiller. Merci. Je vais me maquiller et on se retrouve juste après. Voilà, donc là je vais attendre un petit peu et après ça sera let's go pour la suite de ce vlog. Donc j'espère vraiment que la suite vous plaira. Donc voilà, moi je vous dis à tout à l'heure.
monde, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. On a donc, du coup, je vous en ai pas parlé tout le monde du vlog, mais on a été au parc de la Tête d'Or à Lyon. Donc c'était plutôt pas mal. En plus, il faisait beau, donc c'était cool. Je vous filme cette petite outro le lendemain du vlog, donc le dimanche, parce que le vlog du coup il se passe le samedi, là on est dimanche. Donc voilà, donc en tout cas j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à commenter, à partager, et comme vous avez pu le voir, je vous ai alterné en fait petites vidéos et photos. Donc voilà, je verrai si vous mets, si vous avez eu plus de vidéos ou plus de photos. Je sais pas trop, je sais que pour certains animaux comme les girafes, ça a été des photos. Voilà, enfin, bref, sur ce, encore une fois, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, à le liker, à le commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Et à bientôt.